les CRS ne gazent pas que les gilets jaunes. Ils ne vont pas faire de détails. Il n'y a pas de gaz à tête chercheuse. Exactement, gazer, ouais. Exactement. Donc en fait, tout le monde reçoit. Ouais. Et en fait, c'est, voilà, on voit que ça fait 22 week-ends, donc ça ne sert à rien. Pourquoi ils viennent là avec des enfants? Bah, en fait, ça, c'est les gens qui habitent là aussi qui se promènent, hein, comme toi et moi, ils font envie, du coup. Mais malgré qu'ils savent que voilà. Je ne sortirai pas. Ou j'irai encore en race campagne, il n'y a rien qui se passe. Tout simplement. Je n'irai pas m'amuser à aller dans un lieu public tel qu'ici d'ailleurs. Parce que c'est une place où on sait très bien que tous les week-ends, ça gaze. Bah, et encore moins avec des enfants. J'irai déjà pas tout seul. Alors avec mes enfants, sûrement pas. Ça c'est bien. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience de tournage? Très belle expérience à refaire, on va voir. Fatigant, épuisant, dangereux, j'ai envie de dire des fois. N'hésite pas à te faire plaisir, je vais te poser un paquet de questions, tout aussi débiles les unes que les autres. Et tu vois régulièrement... Et tu vois régulièrement, je te repose exactement la même question que je viens de te poser. Et tu vois, toi tu me réponds comme si c'était la première fois. Tu vois ce que je veux dire? Tu captes pas en fait que... Pour toi c'est normal quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'avais posé des questions. Ouais. Je te pose là une question, après je te la repose exactement pareil, puis je vais même te la reposer des fois trois fois. Toi tu réponds. Pour toi il n'y a pas de problème. Heureusement t'as été réceptif quand je te montrais de partir de l'autre côté. Là, après, je suis en train de les perdre. J'ai du mal à retenir avec ma lèvre cousue. Ouais. Non c'est super, c'est bien. j'ai peur que tu ne comprennes pas quand je te disais de partir. Si, j'ai bien compris. C'est super. Et tu dis, bon, de toute façon, on ne va pas parler de ça pendant 150 000 ans. je vais te montrer ma carabine et tout ça. Montre-moi ça, un truc de merde, tu vois. Tu montres un truc tout pourri. Et tu me montres aussi un caillou, tu sais, un truc tout merdique par terre qui n'a aucune, tu vois, aucune importance. Ok, va faire de la balançoire là-bas. Vas-y, je te filme de là. Action. Alors, tu vois, voilà. Dis bonjour aux gens. Ouais. Dis bonjour, beaucoup bonjour. Ce qu'on pourrait faire, c'est rester derrière les barrières, derrière les CRS là, pour voir dès que ça pète et avoir des séquences, tu vois. Je sais pas quand c'est que ça va péter. On va voir. On peut attendre là. Bah non, parce que j'aimerais bien. Blablabla, il me faut les images, tu vois, j'aurais besoin. Justement, faut le tour, non? Hein? Faut mieux on tourne vers la bonne. J'ai vraiment besoin de ces séquences là. Vas-y, je montre le jeu là. Allez. Dis ça, fais ça. En fait, je l'oriente continuellement parce que mon scénario est dans la tête. Car j'ai un vrai ordinateur, un vrai disque dur de 3 Tera dans ma tête, ce qui fait que le scénario, au-delà d'être d'avoir un certain nombre de notes, il est surtout dans ma tête. Et en fait, ça s'est fait sur 2 jours, 2 jours pleins. Et donc, je n'avais pas besoin de... Souvent, je faisais des signes derrière la caméra. Quand, par exemple, je lui disais, tu dis n'importe quoi, tu fais blablabla, on comprend rien ce qu'il raconte. Ça, c'est un humour qui me plaît énormément, quand le mec, au bout d'un moment, t'as l'impression qu'il parle 10 langues en même temps, il s'énerve tellement qu'au bout d'un moment, il pète un plomb. Ça, ça me fait vraiment marrer. Et à la caméra, je faisais, encore, l'air de dire, continue, va jusqu'au bout de ta connerie. Par exemple, quand on le voit au début du film, il fait des allers-retours derrière sa voiture. Et derrière la caméra, je lui explique. Donc, il va, et en fait, il fait des allers-retours derrière la voiture, on ne sait pas ce qui branle le mec. Et continuellement, je lui pose plusieurs fois, enfin, mon personnage, c'est pas vraiment moi, évidemment, heureusement pour moi d'ailleurs, mon personnage lui pose plusieurs questions, mais c'est toujours la même question. On a l'impression que le journaliste ne comprend pas trop. J'ai eu à peu près 2 semaines de montage du film. Voilà, donc, c'est une belle aventure. J'en suis très fier et je suis très heureux de voir l'impact qu'il a sur internet aussi puisqu'il a été vu des milliers de fois. Je voulais vous offrir donc la possibilité d'avoir ce DVD là parce que non seulement c'est ça m'aide concrètement d'acheter mon travail sur mon site via les liens où les DVD sont en vente sur Amazon ainsi que mes livres, mais
avec une belle jaquette, un beau coffret, double DVD. C'est encore mieux que d'avoir la vidéo sur internet, je trouve, surtout quand on est réellement supporter et qu'on désire m'aider concrètement dans mon indépendance à continuer mes films et tous mes tournages. Voilà, donc avec ce bonus, donc ce message que je te laisse, mais aussi l'interview de Seth et le making jaune, voilà, des vidéos qui ne sortent pas dans le domaine public, qui sont réservées exclusivement à ceux qui auront ce double DVD.